Salut les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog 1003.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle... Oh, une tortue morte. Pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur Ryzen 3 Titan Lords sur PC. Nous venions tout juste de retrouver Patty, notre sœur bien-aimée, et l'on s'apprêtait, il faudrait pas que je me trompe de touche, à chaque fois je confonds la touche sur les différents jeux pour afficher la carte. Nous devrions penser peut-être à explorer ce coin de l'île. Je vous rappelle qu'on a quelques objets à y récupérer normalement. On a exploré tout cela, on a exploré la grotte qui était là, et l'objectif ça reste quand même de revenir jusqu'ici. Au niveau des quêtes, nous avons quoi déjà? Nous sommes sur Kila, argenterie précieuse. Bon, on s'en verra. Mais il me semble qu'il y a d'autres éléments, équipage, engagé, Patty. Lorsque j'aurai enfin récupéré un grand navire, ok, Sadex, c'est pareil, lorsque j'aurai un grand navire. J'en profite quand même pour regarder vraiment où j'en suis. Antigua, message pour Wilson. Reforger les trippers. Pour cela, il faudrait que je retourne sur Antigua, je crois. Et objets légendaires, il y en a tout un paquet, mais ce sera pour plus tard. Alors, c'est reparti. Elle, on la laisse tranquille pour le moment. Nous n'avons plus grand chose à lui dire, il me semble. Et le jeu ralentit toujours quand je ressors de la carte. Je ne sais pas du tout pourquoi, comment. Lady Mary! I'm going to make a hat out of your skin! Ugly thing. Ow! I've injured myself. Well, why do you have to stand in the way all the time? But it hurts! You're not a fighter, are you? I'd look for another profession if I were you. No, it's okay. I'll be fine. You'll see. We'll soon be dividing the juicy spoils. Ouais, Mud. T'es bien gentil, mais si je pouvais te pousser d'une falaise, ça ne me dérangerait pas, tu sais. Alors, ici, des palourdes. Je vois pas grand-chose dans l'environnement à proximité. C'est dommage, là, ce saut de mort. Je trouve ça extrêmement moche. Down with it. Look out! Putin's is here! What a waste of prime! Attendez, j'arrive. Je ramasse d'abord ceci. Bon, alors on va lui faire sa peau. Allez, que ceux qui sont morts secouent les pattes. Enfin, les pinces. Une tortue. Tortue, c'est peut-être encore ce qu'il y a de plus facile à tuer. Et ça rapporte des points. Puis après, on peut se faire de la soupe. Il paraît que ça existe, la soupe de tortue. Petite bestiole. Aïe, pourquoi il l'a raté, là? Mais quel quiche, ce personnage. En fait, ce qui fait bizarre, c'est de passer d'un jeu à un autre. Et de remarquer que certains sont plus adaptés que l'autre au niveau du gameplay. Ils ont différentes façons de fonctionner. Et du coup, c'est perturbant quand on revient sur le jeu après un long moment. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Down with it. Toi là, à nous. Ça c'était la parade. Hop, petite palourde en plus. J'ai vu une tortue qui se balait dans le coin là. Oui, là. C'est tellement désagréable avec les animaux dans ce jeu. Mais en même temps, ça rapporte des points. Et qui dit points, dit bonus. Et nous en aurons peut-être bien besoin pour la suite des événements. Toi, je t'ai pas vu. Toi. Mais surtout, tape bien dans le vide. On pourrait dire que personne ne t'en voudra, mais en fait, si, je t'en voudrais, moi. Alors, ici, rien. Ok, bon, ben d'accord, superbe. Ah! Ça sent la bestiole, c'est pas des phénix, ça je crois. Si, c'est des phénix, d'accord. Je les confonds toujours avec les autres. C'est plus. Je crois que c'est sur YouTube que quelqu'un faisait la réflexion, vous aimez si. Les dinosaures, ça descend des oiseaux. Enfin, les oiseaux descendent des dinosaures. Donc, forcément. Que le phénix, ça ressemble à un gros reptile. Come on, then. How about you have a drink?
Dis, est-ce que tu peux me soigner, s'il te plaît? Un petit soin, là, comme ça. Pouf! Ça y est, je suis soigné. Non? Ça n'a pas l'air de te motiver. Oh, je vois quelqu'un là-bas. La question que l'on peut ainsi se poser, c'est qui est ce quelqu'un? Cole. There you are at last. Should I know you? No. Well, yes. Doesn't matter. Now you're here. That's good. You don't need to know anymore. Who are you? That's not important. Listen. I've been waiting here for you for a while. I need your help. Pourquoi vous m'attendiez? Why were you waiting for me? Here, look, I'm a hunter. And you, you surely are my reinforcements, aren't you? I'm hunting here in the region. But a few of these dangerous shadows have crept into the area. I really wanted to hunt golems. But these shadows suddenly arrived here by sea and won't leave me alone. If you attack them for me, I'll give you a big reward. Why don't you kill them yourself? I can't. I'm injured. My leg. My leg is injured. I see. Ouais, ouais. On dit pas de... Bref. Where are your shadows? At the southernmost tip of this small island. Okay. I will kill the shadows. Wonderful. Always think of your reward. I'll wait here for you. Ouais, ma récompense, ce sera des points de compétence, écoute, hein. Ce sera déjà pas mal. On va essayer de récupérer un petit peu. Oh, punaise, tout ce qu'il y a par là. Punaise, mais c'est l'invasion du... Down with him! Let's go! Split a few throats! C'est là qu'il faudra un super sort de tout, on brûle tout le monde et on se barre en quoi. Non? On va aller voir maintenant le gros crabe. Oh shit, don't hurt me! Let him out! Qu'est-ce que tu fais là, Bones? T'as pas envie de les attaquer? Oh, pardon, Med. Will you stop doing that? Mais c'est toi qui te mets en travers de mon chemin là. Reste loin quand on combat. Je sais pas, on fait quelque chose. Espèce de qui, je vois. Ah, ça sent le coffre. 80 sur 80. Et voilà, magique, un aller-retour et c'est bon. Parfait, jeu d'ombre, c'est quoi ça? Valeur en or, arme forgée pour affronter les démons, rares sont les combattants à être dignes d'une telle arme. Fondoir de monde. D'accord, c'est un truc que je peux forger, ça. Un Bloody Mary. Ok. Et de l'or. Bon bah je prends tout. C'est marrant parce que dès qu'on passe dans le menu, maintenant ça rame. Et puis après ça s'arrête de ramer. Faudra qu'on m'explique ce qui se passe là avec ce jeu. Come on, then. Tout ceci est très perturbant. Aïe. Aïe. Let him have it. Je me demande si on a une grosse récompense quand on le... Quand on supporte le casse-pied tout le long. Ce serait rigolo. Je me dis toujours que c'est dans le genre de jeu que les choses peuvent être extrêmement intéressantes. Et franchement, je vous le dis, j'aurais à toc dessous, j'aurais du temps en plus. Enfin, je pourrais me permettre de prendre plus de temps, je pense que je créerais un RPG. Enfin, un RPG, là, Zelda, c'est pas vraiment un RPG, Zelda. Mais comme les Links to the Past et d'autres éléments du genre.
parce que sincèrement, j'en ai énormément envie depuis très très longtemps, mais j'ai jamais trouvé le temps pour le faire. J'ai plein de trucs sur du papier, mais j'ai jamais eu le temps de le faire. Parce qu'il n'y a pas les sous. What? Oh, nothing. It's fine. It can wait. Je me demande sur combien de temps en fait ils ont fait durer les dialogues de ce gars-là. Alors attendez, on va peut-être regarder d'abord sur la carte. Ok, niveau. Ok, donc on va peut-être continuer par là-bas. D'abord, histoire de terminer la plage, au moins il ne nous restera plus que l'intérieur à faire, à peu de choses près. Ah, petite plante. Come on, then. Aïe, pile quand je me décide d'attaquer, parce que je vois qu'elle attaque pas, bon, elle s'y met. Attends, la tortue. T'étais témoin de ce meurtre. Fallait que je te tue. Enfin, en même temps, c'est eux qui ont attaqué les premiers. Tortue qui roule, Namas Pamus. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Des singes. Ah là j'ai esquivé, c'est bon. Couchez le griffu. Aïe. Un. Voilà, KO. Bah mais désolé Mud, encore une fois, ouais, stop doing that, mais éloigne-toi quand on combat, tu vois bien que t'es en plein milieu de nulle part et qu'on tape sur des gens. Bon. Oh, un rhinono. Ou un truc du genre en tout cas. Une pioche. Ah bah c'est parce qu'il y a du minerai. On va pas le rater quand même ça. Hey ho, hey ho. Vous avez obtenu du jade, félicitations. You win. Piqûre. Come on then. Aïe. Rester grand chose toi. Allez, 200 points de gloire. Mais non mais Mud, range ton arme. Voilà. Viande crue, langue, c'est plutôt sympa. Faudrait que j'apprenne les autres compétences pour pouvoir acheter l'autre truc. Enfin récupérer l'autre truc sur les cadavres d'animaux. Ça peut toujours être pratique, on ne sait jamais encore une fois. Hein. Let him have it. Finally, I get to use my weapon. That's me. We're going to get up again. Peu de panthère, ok. Donc ça c'était plus ou moins de là que je venais. Là je t'arrive pas là-bas, je suis descendu, j'avais parlé au mec en dessous, ok. Là donc on a vu, on va aller voir ce qui se passe dans le coin maintenant là-haut. Ce serait cool que tu me soignes Gus là. Non? Ça te dit rien? Non, apparemment pas très volontaire. Hein. Pas grave, on va faire sans lui. On va se manger des provisions. Faudrait que je regarde aussi au niveau des. Tous les éléments là que je ramasse. Au niveau de la flore. Enfin, il me semble que c'est la flore.
J'oublie à chaque fois si la faune c'est bien les animaux et la fleur les plantes ou si c'est l'inverse. Come on then! Let me at him! Let him have it! Come on then! Let him have it! Mais dégage toi! Tu vois bien que tes collègues sont morts! Get stuck in! That hurt. Ouais, j'ai réussi à ne pas attaquer Gus à la fin. Ça c'est joli. Et les phénix ne me donnent pas de volaille. Ok, rien à voir ici. D'accord, c'est noté, on continue. Rien non plus ici. À chaque fois, je me trompe de touche pour afficher la carte. Ok, donc on va aller par là. On va remonter ici et puis on va bien voir où ça nous mène. Allez hop, c'est parti. Et je descends à 10 FPS à chaque fois que je quitte le menu. Ah, tout ceci mérite explication. Mince, j'ai manqué. Get stuck in. J'ai raté. Ça n'arrivera pas deux fois. Où ils en sont mes collègues? Bah alors, qu'est-ce que tu nous fabriques? C'est bon? Parfait. Je me demande si... Un pistolet crânien. Et sincèrement, je suis trop content. La curiosité des fois, hein, ça rapporte beaucoup. Alors c'est quoi ce pistolet crânien? Main gauche, 4,40, dégâts 60, 50. Bon, en fait, ça vaut pas grand chose. Comme toujours, 10 FPS, enfin comme toujours, ça le faisait pas au début, je pense que c'est une mise à jour récente qui a dû faire ça. Ou alors j'ai réellement un problème avec mon ordinateur. I'm going to make a cat out of your skin. Fight, won't ya? Oh comment je l'ai calmé jusqu'à présent. Down with it. Comment je l'ai fait morfler le bonhomme? Let's go, stop you! It was over far too soon. Alors ça c'est là d'où je viens. La maison elle est en dessous. Je vais aller voir par là-bas. Come shadows. Let him have it. J'ai compris les gars, j'ai compris. Down with him. Mais mince, pourquoi j'arrive pas à me défendre? Come on, mate. Mort, là. Un petit coup de rhum, ça peut comme faire du bien. Dégage toi. Ah, il est pas mort l'autre. Okay. Mort par contre. Et toi c'est bon aussi. 4 sur 5 ghouls. Os.
Il manque des ghouls là encore. Ah, il y a une tombe ici. C'est la tombe de qui? Il y a un gros golem qui nous attend aussi. Ça... On se calme, mon grand. Alors, recette de la teinture. J'ai pas eu le temps de bien. Ouvrons ce... On aura galéré quand même un petit peu là. Ah, mais c'est un tout petit coffre de rien du tout, ça. Or, peau de jaguar, peau de panthère. C'est pas extraordinaire, tout ça. Hein. Il a intérêt à me rapporter un peu plus, monsieur le bidule, là. Vas-y, on se fait des passes, je me mets de l'autre côté et tu frappes, je frappe. Ah ouais, non, ça c'est pas mal par contre. Oh punaise, la l'autre ghoul. Hop là, c'est bon, la nuit, tout le chasson de vie. Et toi, mon grand, je vais te montrer qui est le patron. Voilà. Et je ramasse du minerai de fer. What? Oui. Oh, nothing. It's fine. It can wait. D'accord. Toi, mon gars, un de ces quatre, tu vas te ramasser un truc dans la tête, là, ça va faire pouf, une balle entre les deux yeux. Mais bon. Ce ne sera pas de moi que ça viendra, hein. Surtout pas. Bon, je pense que je peux reparler à Gus qui devait être en bas là-bas. Bon, je pense qu'il voulait chasser le golem, mais du coup, vu que j'ai tué. Ça va pas changer grand-chose. Voilà, puis après, on redescendra vers la maison. Bon, notre camarade doit être de l'autre côté. Il est là, le Gus, à la jambe blessée. Bien le bonjour, cher Cole. Il me semble qu'on le connaissait aussi, lui. The shadows are dead. What? Why? Why what? Why are you still alive? Damn it. If you want something done right, you've got to do it yourself. Deathfire! I'm going to make a hat out of your skin! Aïe. Come on then. I'm going to make a hat out of your skin. Aïe. Down with him. Aïe. Éloigne-toi. Ou pardon. Will you stop doing that? On récupère quoi? Perle noire, or. Bon bah c'était plutôt sympathique. Merci Cole. C'est original en tout cas. Je m'attendais pas du tout à ça. Par contre c'est cool que tu me soignes. Oh merci beaucoup Bones. Je t'envoierai ça un jour. Enfin je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais un jour peut-être. Ah c'est un perroquet. Je crois qu'il y avait une bestiole qui se baladait, mais rien de bien méchant. Donc ça c'est fait. Repassons de l'autre côté maintenant pour aller voir la maison. Et puis ça me paraît bizarre qu'il n'y ait rien de plus en fait dans le coin. Il y a juste une tombe là-haut, c'est tout. Et impossible de savoir à qui elle appartient. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un Gus qui nous attend à côté de la maison. On va lui demander qui il est. Bien le bonjour, jeune homme. Qui êtes-vous? Un marteau, un coffret, un couteau, un marteau de forgeron. Comme quoi, faut toujours chercher un minimum.
peu de rhum. On va fouiller tout ça. Allez hop. Ma souris qui déconne, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un cheveu qui passe devant le laser, j'en sais rien. Non. Ah, du coup j'ai même pas vu ce que j'ai pris. Mais il y a du gros poiscaille lui hein. Je sais pas combien j'en ai de paires de téléportation, mais en tout cas c'est pas ce qui manque maintenant. Léonard, bonjour Léonard, que puis-je pour toi? Wait, you're... No, you're not one of those riffraff, are you? No, I'm passing through. Good. You don't look like one of those lot. Madmen. The lot of them. All madmen. Better not get too close to them. De qui il parle? What's someone like you doing on this island? I'm a guardian of the mages, and I'm on an important mission. I'm collecting crystals for the mages. I wound up on this island here. And, well, as you can see, I'm still here. And? Found any crystals yet? Sure, loads. Ah, oh, damn it! Why am I telling you this? Because I asked. Yes, I know, but it's actually none of your business. You're just an honest person. Ah, oh, damn it! That's what my father always said. Tell me more about the mages. Oh, sorry. I can't do that. The mages told me I better keep my mouth shut and not tell you anything. Not even that you collect crystals? Damn! You see? That's why I just can't keep a secret. Show me your magic crystals. That's just what you're waiting for. You're gonna take them away from me, aren't you? I was thinking more of a small trading business. Fine. Here's what I propose. I'll give you my magic crystals if you help me find my equipment. All right. I'll help you get your gear back. Excellent. Well, like I said, I'll give you some magic crystals in return, all right? Here. I found your equipment. Ha! Was it still in the small cave at the foot of the mountain in the north? Yeah, still there. Fantastic! So now I can resume my work. Many thanks. That deserves a few magic crystals. Here, take them. And thanks again. Do you have anything else you can sell me? Sure. Have a look what I've got to offer. J'aime quand ça paye comme ça l'exploration en fait. Guérison. Ça, mais c'est un parchemin en fait. Moi j'aimerais bien apprendre des vrais sorts. Que je sois pas toujours obligé de les dépenser en fait. Putain, j'ai 3500. Et si je veux vendre? Mais j'en ai des trucs en fait. Mine de rien. Mon argent, faut que je garde. Ce qui m'ennuie, c'est que je sais jamais de quoi je vais avoir besoin en fait. Je regarde ce que j'ai en quantité assez importante. Et le revendre. Putain, j'ai 10 pioches. Tout va bien. Et voilà. Et je me resserre en plus dans son inventaire. Eh ben c'est parfait. Il n'y avait pas un truc que j'étais censé récupérer au centre ici? Une pierre de jade ou je ne sais plus quoi d'autre. Apparemment je ne suis pas encore passé par ici. Je
qu'il y avait une plante, en fait c'est des feuilles. Raté. Oh, il m'arrête en plein vol là. Tu tombes parfaitement pour les soins, merci. Maintenant à toi, copain. Get stucky. I'm going to crush your skulls now. On s'éloigne parce que c'est moi qui va taper, voilà. Oh, merci pour les soins, tu tombes très bien. Ouh, belle réplique. Enfin, belle réplique, je veux dire que j'ai bien riposté. Donc le mot juste était belle riposte, mais bon, ce n'est pas grave. Come on, Nate. What a waste of prime sacrificial meat. Une bestiole en moins. Moi j'avais déjà fait le tour par là du coup. Ok. J'étais arrivé par la plage en fait. Je t'avais pas vu, toi, les Yonks. J'étais coincé dans une plante, c'est pour ça que je comprenais pas ce qui se passait. Bonjour, la peau de Jaguar. Bienvenue dans mon équipement. Enfin, dans mon inventaire, plutôt. Je rappelle que Pluto est le chien de Mickey. Mais ça, vous le saviez tous. Bon, il est bien beau mon bateau, mais faudra que je pense à le récupérer quand même au moins maintenant. Il s'est pris une claque, le petit singe là. What? Oh, nothing. It's fine. It can wait. Je pense qu'on a fait le tour en fait de son dialogue justement. Donc maintenant il veut juste nous embêter, c'est tout. Non rien. Come on, man. Si je sors pas mon arme, j'ai pas les mains. J'aime quand cela marche aussi bien. C'est fort en chocolat. Alors là, on retourne vers la maison. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose à récupérer par là? Ah, voilà, ça. Ok. Ça aurait été cool qu'il y ait une pierre de téléportation quelque part dans le coin. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça n'a pas été prévu par nos collègues. Mais vraiment pas du tout. Si jamais c'était le cas, je ne vois pas où. Et j'ai pas trop envie de me retaper tout l'aller-retour à la nage à chaque fois. Il y a des restes, mais plus rien à ramasser avec. Bon bah ok. Je vois rien de plus, j'espère que j'ai rien raté quand même. On va sûrement se téléporter ailleurs maintenant. Par contre, est-ce que je suis vraiment allé voir ce qu'il y avait au bout là-bas? Je crois que oui, j'ai déjà dû explorer.
Mais j'ai un doute. Bref, bon bah il est peut-être temps d'y aller. Au niveau des journaux, équipage, ok, le royaume des ombres qu'il a. Ouais, je vais aller revendre ce que j'ai récupéré en argenterie, ce serait pas mal. Ça fera un bon début. Ça, j'ai déjà tout exploré. En fait, on peut pas grimper ici, d'accord. Mais je suis déjà allé jusqu'au bout, je pense. I have some silverware here. Thanks. Mi amiti Tosheka. Happy. Piss off. On est toujours pas content. We'll see what comes of it. Yeah, you lot ain't got no balls. I saw a ghost ship. C'est bien, t'as bien vu ce fantôme, d'accord, c'est noté. Du coup, faut que j'aille où maintenant? Tac, 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 tac. J'ai retrouvé Patty, t'as été ma mission, mais après. Kataope Gucho. You wanted to poison Baraka. What are you talking about? Gucho brought bad food. Your fault that Baraka is weak. Ixil said if I bring you the food, there would be peace. Oh, Ixil. He behind this. He tricked us both, Gucho. What he promised was as bad as the food you bring. Superbe. Ixil will pay for his treason. I can count on you, right? Very well, Gucho. Baraka help you take revenge on Ixil. Be careful. If he notice someone want him dead, he won't leave camp. Tell him Baraka dead. For proof, take my amulet. He won't believe you. And he'll search for my body. When he's outside village, kill him. Is there no other way than to kill Ixil? He promised you friendship between the Kila and the Kuchos. If you let him live, he will continue to make trouble. His death will bring peace. He will fulfill his promise. The Hike wish it so, Gucho. Give me the amulet. Hopefully Ixil will fall for it. He will, Gucho. He will. Trust our Hike. They help you. Enough talk. Take it. Show no mercy. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. J'aime pas tuer les gens de sang-froid comme ça, ou presque de sang-froid. Je veux qu'il y ait marqué idée fixe. Sur le coup, j'étais en train de penser à autre chose et j'ai vu le petit truc blanc au sol, j'ai vu le texte après. Ah, idée fixe? Et qu'est-ce que tu fais là? En fait, ça n'avait rien à voir. Allons chercher Ixil l'empoisonneur. Des plantes carnivores, sympa. C'est un peu grosse celle-là quand même. Hein. Je n'ai pas trop envie de connaître la taille des bestioles qui rentrent dedans. Déjà essoufflé. Alors comment tu vas toi? Jala! Jala! Oh Makoto get angry! Makoto, si tu savais mon grand, si tu savais! À quel point tu seras en colère, je sais pas, mais ça irait pas très fort. Baraka is dead. This must be a trick, Gucho. There is no one on Kila stronger. Apparently there is now. Here's his amulet. You kill him. Who says I killed him? If you don't believe me, go look for yourself. Oh, right. He most probably ate something that did not agree with him. His body is to the northwest, underneath the Great Gate.
Ixil will confirm what you say. If you are lying, you will face the wrath of the Tiwas. Ça se trouve, c'était l'autre Baraka, le mauvais. The Kila are a strong people. Si tu le dis. Bon, on va suivre Gus, là. Bobor a-t-il toujours mal à la tête? You're a skilled hunter. Teach me. I'd like to tear out animal horns. No problem, Hoshi. Je peux récupérer un peu plus d'éléments. Je sais plus qui était la deuxième qui chassait. Il y a quelqu'un avant ici. Elle est là. Non, c'est pas elle qui m'apprend des trucs. Bon, ça va, il y a du rive en bas là. Ouais, je le vois. Allons l'affronter avant qu'il tue Baraka. Frites. J'ai rien d'y penser, je sais pas pourquoi, j'ai pas, ça m'a pas traversé l'esprit avant. Où es-tu, mon grand? Te voilà. Baraka is not here, Gucho. You don't say. You tricked Ixil. So, how does it feel? It feels like pain you will suffer now. Baraka! Get stuck in! Juste 12 petites pieces d'or. Schéma étincelle de vide. Donc il avait des super pouvoirs, Gus. Là. Ça me plaît guère, tout ça. Bon, retournons voir Baraka. Fritz. Et faut que j'arrête avec ça. Et voyons voir ce qu'il a à nous dire. Je croyais que la porte était ouverte. Je me suis dit, ouh, magie. Bon, en fait, non, que dalle. Ixil no longer spreads lies. Kampa of the Kila is safe again. I will ask Ahike to forgive Ixil's soul. You have done a great deed for peace. Take pride, Gucho. Baraka will stand guard. Ouais, et du coup, je fais comment, moi, pour rentrer, pour ouvrir la porte, passer, tout ça, tout ça? Il y a bien une solution, un système qui va pouvoir me permettre d'aller voir plus loin. Non? Journal. Ou alors je crois qu'il faut que je parte et que je revienne plus tard. Je crois que c'était ça l'histoire. Je refuse de laisser monter dans la barge. Mais ici sur Kila, je ne peux pas l'empêcher de me suivre dès qu'il me voit. Ouais, je crois qu'on va changer d'île parce que... Ah, il y avait ça. Sur ma carte, je peux voir ce que je dois faire. Je dois trouver un gros morceau de jade pour le sceptre des ancêtres. On l'en trouve généralement dans les grottes. Je devrais chercher au nord-est. Il y avait une petite île là-bas. Fixer repère, carte. Je suis censé y aller comment ici, moi? Bon bah, va falloir qu'on reparte à la nage, encore une fois. Ça, c'est pas super cool, mais bon. Ça pourrait être pire. Je suis en train de se faire attaquer.
Donc ouais, en fait, si je peux continuer, il faut d'abord que je crée le sceptre des anciens. J'arrive, pierre de jade géante. Bientôt, nous serons rassemblés. Punaise, même Bones qui est parti bien après moi, il va plus vite. Punaise, ça me donne tellement envie d'aller à la piscine, ça. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas piqué une tête. Et ça me manque entre nous. Peut-être qu'il y a une grotte quelque part que je n'ai pas pensé à visiter en fait. Légèrement plus vite à pied. Ah, je crois que je vois un trou là. Ouais. What? Oh, nothing. It's fine. It can wait. C'est là que le mec, quand on va passer la porte, il va se réveiller, devenir surpuissant, vous allez voir. Ce serait rigolo ça aussi. Le truc auquel on ne s'attend pas en fait. Ça serait sympathique. Coucou, c'est moi. Good. A huge chunk of jade. Interesting. I'd better keep it. Hop là, bon ben, j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux retourner voir la dame, dans le camp. Par contre, ça me perturbe ça là-haut. Attendez. I'll wait here for you. Let's get going then. Ah, mais je vais d'abord vérifier dans le coin s'il y a des choses intéressantes. I'll wait here for you. En fait, c'était juste pour faire beau, quoi, qu'on pouvait grimper jusqu'ici. Y'a vraiment rien du tout à voir, quoi. Rien de rien de rien. Oh punaise, je suis déçu. Ah mais non, mais ils m'attendent, donc si jamais je disparais, ça va pas le faire. All right. Bon, on y va les gars. Déménagement instantané pour le village du Killa, là. Il est où le village? Il est là. Non, il est pas là, c'est celui-ci qui me faut. Et on va s'arrêter d'ailleurs, pour cette vidéo. Amir, we'll keep watching you. Gucho. Ok, ok, si tu le dis. Bref, voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve à Pantano Bay très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frappstjeux.fr ou sur mon blog tisson3.fr. Passez une agréable fin de journée et à ciao tout le monde. Salut !